Quelle joie, quel privilège, quel honneur d'être au service du grand roi que tu es. Et ce soir encore, nous réalisons que sans toi, nous sommes rien, que sans toi, nous sommes perdus, que sans toi, nous n'avons point la vie, parce que c'est toi qui es la vie. Sans toi, Seigneur, nous sommes voués à l'échec. Sans toi, Seigneur, nous savons quelle direction prendre, parce que c'est toi qui es le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à l'éternité. Et ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, c'est ta présence, c'est ta personne investie en nous, c'est la vie éternelle que l'argent ne peut acheter, la vie que les riches ne possèdent pas. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des comptes en banque bien garnis, mais cela ne garantit pas la vie éternelle, parce que c'est celui qui t'a reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Et à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Seigneur, nous pouvons bien avoir les choses de cette terre, mais Seigneur, que par-dessus tout, que nous puissions garder la foi, que nous puissions garder nos cœurs passionnés de toi, que nous puissions nous maintenir dans le salut que tu nous as offert par ta mort à la croix. Merci pour le sang qui a coulé. Merci, ô Dieu, pour ton soutien de chaque jour. Oui, tu es avec nous, tu nous conduis, tu nous diriges, tu nous fortifies à chaque instant, à chaque moment, à chaque épreuve de notre marche avec toi. Tu es à nos côtés. Tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous afin de nous garantir la victoire, pour nous donner la réussite là où l'échec voudrait frapper à notre porte. Tu es avec nous afin de pouvoir veiller, Seigneur, sur nos pas, afin de nous diriger, afin de nous conduire selon ta destinée et le plan que tu as pour nous. Tes projets de paix et non de malheur, tes plans, ô Dieu, pleins, Seigneur, de succès, tes plans qui sont, ô Dieu, conduits, dirigés, non pas, ô Dieu, par nous-mêmes, non pas par les hommes, mais selon ta pensée, selon ta préscience et ce que tu as défini et établi avant même que nous puissions t'accepter. Toi, tu nous avais déjà pointé du doigt. Avant que nous puissions te connaître, toi, tu nous avais connus d'avance. Avant que nous puissions te choisir, toi, tu nous avais choisis parmi, ô Dieu, Seigneur, tout ce monde, tous ces hommes, afin que nous puissions te servir, te connaître, t'aimer, n'être qu'à toi. Que la gloire te revienne encore ce soir. Que l'honneur te revienne encore ce soir. Que la majesté te revienne à toi qui es digne d'honneur, de puissance et de majesté. J'aime ta présence. Je désire être rempli de cette présence. Je désire vivre, oui, cette présence. Seigneur, j'aimerais que ta présence couvre encore ces lieux. J'aimerais que ta présence remplisse encore ces lieux. Que ta présence inonde encore ces lieux. J'aimerais que tu sois maître de ces lieux. Que tu sois maître de ces instants. Seigneur, je ne sais même pas prêcher. Je ne sais pas enseigner. Mais je veux juste me laisser disposer. Me laisser conduire. Me laisser, ô Dieu. Seigneur, instruis par ta science. Instruis par ta connaissance. Seigneur, je suis qu'un instrument, un vase qui veut obéir à ta volonté et répondre à ton appel. Seigneur, sers-toi de moi comme tu le veux, comme tu le désires encore ce soir, pour ta seule gloire et pour l'édification d'une personne qui a quitté sa maison et qui est venue ici, non pas pour un spectacle, non pas pour perdre son temps, mais qui est venue afin de recevoir une parole qui va l'aider à avancer avec toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries par rapport à cette parole qui va être annoncée. Parle à Dieu, dispose ton cœur, sois prêt à recevoir cette parole. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a peut-être des questions qui demandent des réponses et Dieu peut te parler à travers sa parole.
Tu rencontres certainement une situation où tu as besoin d'une orientation, d'un éclaircissement de la part de Dieu. Dieu parle par sa parole. Et le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, la manière dont tu disposes ton cœur à la parole de Dieu. Dieu agit, Dieu bénit, Dieu touche. Dieu parle, Dieu exauce, Dieu répond, Dieu se révèle. De la manière dont tu te disposes à recevoir de Dieu, c'est de cette façon que Dieu aussi viendra vers toi. Dispose ton cœur. Ne regarde pas un homme, mais regarde au Dieu qui parle par les hommes. Ne regarde pas au serviteur que je suis, mais regarde au maître qui se servira de moi ce soir pour être une bénédiction pour toi. Merci Seigneur. Nous sommes prêts à recevoir ta parole. Nous sommes disposés à t'écouter, à t'entendre. Alors parle-nous. Parle-nous Seigneur, nous écoutons. Parle-nous, nous sommes prêts. Car tu dis tes brebis te connaissent. Elles entendent ta voix et elles te suivent. Dans ce temps où plusieurs parlent, dans ce temps où des voix s'élèvent de gauche et de droite, nous nous voulons écouter la voix du Maître, la voix du bon berger, afin de te suivre toi. Parce que suivre un homme peut nous emmener à la perdition. Suivre un vent, un mouvement, une religion peut nous perdre. Mais te suivre, Seigneur, nous garantit que nous allons arriver jusqu'à bon port et à la bonne destination. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est toi, Jésus. Et nous qui sommes là, nous voulons la vie éternelle. Nous qui sommes là, nous voulons le salut. Nous voulons vivre éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi nous nous mettons à part pour toi. Nous mettons à part dans la prière pour toi, pour te rencontrer, pour vivre, oui, pour toujours, avec toi, dans l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Gloire au Seigneur, que Dieu soit grandement béni encore ce soir. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bonne année encore à tout un chacun d'entre nous. Excellente année 2018, que le Seigneur puisse nous faire du bien en cette année. Je disais que le Seigneur nous fasse du bien en cette année. Et que ses plans et ses projets puissent s'accomplir dans ta vie, quelle que soit l'opposition, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu vas rencontrer, que les plans et les projets de Dieu puissent se réaliser. Je remercie Dieu pour l'occasion, l'opportunité d'être là et de pouvoir parler de sa part. Et je remercie aussi l'apôtre Douglas ainsi que tous les serviteurs, tous les hommes et femmes de Dieu qui sont à ses côtés, qui travaillent ici en ces lieux pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je suis l'évangéliste Brice Ndongala. Pas mal de personnes ici me connaissent déjà et d'autres qui ne me connaissent pas. Je suis votre frère. Amen. Et je suis venu avec mon épouse qui est là avec les enfants. Je veux juste acclamer le Seigneur pour leur soutien et leur encouragement. Alors ce soir, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé « Un homme, une femme, une famille ». Amen. Dis juste à celui qui est à côté de toi, un homme, une femme, une famille. C'est le thème que je vais aborder et autant vous dire que ce sera une introduction. Et Dieu permettra qu'une prochaine fois, je puisse aller en profondeur sur ce thème-là. Parce que c'est très profond et il y a beaucoup de choses à toucher, beaucoup de choses à parler. Et lorsque j'ai échangé avec l'apôtre Douglas, on discutait, on échangeait. Et c'est là qu'il m'a proposé de pouvoir passer et d'apporter ce message-là. Pour ceux qui suivent, je fais des directs Facebook et j'ai eu à toucher un thème, un grand thème, la sagesse bâtit le foyer. C'est le thème que Dieu m'avait donné particulièrement pour l'année 2017. C'était la famille. La famille, le foyer, le couple, les hommes, les femmes.
Et j'en ai parlé, je suis à 44e partie. Donc sur le même thème, j'ai enseigné, parlé de plusieurs choses. Et je suis donc là à la 45e partie, je suis en train de poursuivre encore sur ce thème-là. Et bien évidemment, c'est impossible de pouvoir parler de toutes ces choses, mais avec l'apôtre, on a parlé, on va essayer de s'organiser pour qu'on puisse essayer de partager ces choses aussi avec nous tous. Amen. Et ce soir, c'est donc juste un peu un aperçu, c'est un peu une introduction. Et par la suite, on aura à toucher d'autres aspects, d'autres thèmes. Parce que je crois qu'il y a un travail à faire au niveau des familles. Je peux vous assurer que au-delà de la façade, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut montrer, il y a un problème sérieux au niveau des familles. Il y a des problèmes graves, il y a des problèmes sérieux. L'ordre est renversé. D'ailleurs, la société ne comptait pas sur la société. La société fait tout pour renverser le fondement de Dieu. Et la Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Dieu a établi les choses d'une certaine manière par rapport à la famille et le monde vient avec des lois et va, n'est-ce pas, complètement renverser l'ordre que Dieu a établi, les principes de Dieu au nom de l'évolution, au nom de la tolérance, au nom de tout ce que vous voulez. Et on commence à voir des choses, même chez les animaux, on ne retrouve pas. Alléluia. Alléluia. Même chez les animaux, il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Que vous ne verrez pas les animaux se livrer à certaines choses dans lesquelles l'homme se livre au jour d'aujourd'hui. Des choses qui n'étaient pas tolérables. On commence à les banaliser, on commence à les accepter, on commence à les normaliser sous prétexte que nous sommes au 21e siècle. Mais laissez-moi vous dire que la lumière est lumière. Même si on est au 21e siècle, la lumière reste lumière. Vous voyez, ce qui n'est pas normal reste pas normal. Il y a des choses qui sont condamnables, il y a des choses qui... Je veux dire, sont hors sens. Et ce n'est pas parce qu'on est en 2018 que ça doit devenir normal. Et le monde, la société et le diable qui est derrière cherchent à pervertir, à corrompre les mœurs, cherchent à pouvoir déstabiliser l'équilibre des foyers, des hommes, de la société. Parce qu'il sait très bien que là où il y a le chaos, Dieu ne peut pas agir. Il sait très bien que là où les fondements sont renversés, Dieu ne peut pas agir. C'est là où lui, il règne. C'est là où lui, il peut agir. Parce que Dieu agit là où ses principes sont honorés. Là où ses principes sont respectés. C'est là où Dieu agit. C'est pourquoi Élie doit invoquer Dieu. Mais avant d'invoquer Dieu, il commence par restaurer l'autel. Parce que quand Dieu descend, il descend à l'autel. Alléluia. Et nous assistons, nous voyons des choses terribles, des choses graves. À telle enseigne que par moment, on ne sait plus qui est papa, qui est enfant, et qui est enfant, qui est papa. J'ai assisté à une scène, c'était incroyable. Une jeune fille de peut-être 7 ans, elle était en train de discuter avec son père. Je dirais même, elle était en train d'engueuler son père. Mais vous dites, non, il y a quelque chose qui ne va pas. La fille est en train de parler au père. Mais papa, tu vois, non, mais c'est vraiment pas possible. Hein. Non, mais tu te rends compte un peu, là? Elle parle, elle parle, elle parle. Et puis, elle marche, elle avance, elle laisse le papa derrière. Et puis, elle avance comme ça, toute fâchée. Et le papa, non, mais ma chérie, tu vois, c'est peu cocasse ce que tu viens de faire. La fille a dit, mais c'est quoi cocasse, hein? Il dit, alors, tu vas cocasse? C'est quand tout? Je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Un homme, une femme, une famille. Voilà pourquoi il est important de parler. Il est important de pouvoir présenter la pensée de Dieu. Parce que plus on laisse le diable travailler, plus on va assister à des choses
Bien-aimé, incroyable. L'homme n'est plus à sa place. Et quand l'homme veut prendre sa place, on met des choses pour que l'homme ne puisse pas prendre sa place. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? On met des lois en place, on met des choses en place pour que l'homme ne puisse pas être un homme. Et on donne des droits à la femme, on donne des libertés à la femme pour que de plus en plus, elle puisse se sentir autonome, qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Elle peut vivre sans un homme. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Et on dit on est au 21e siècle. La femme, elle peut très bien vivre, s'en sortir seule. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle n'a pas besoin d'être encombrée. Le mariage, on trouve que ça ne sert pas à grand-chose. On peut vivre sans le mariage. Et on peut vivre et anticiper la séparation. C'est-à-dire on se marie, mais au cas où ça ne marche pas, au cas où on va divorcer, et on prend des précautions avant même d'être rentré dans le mariage. Parce qu'on pense que le mariage est un supermarché où on peut rentrer, faire ses courses, et puis ressortir et revenir quand on en a besoin. Le mariage est sacré. Le mariage est une alliance. Le mariage est une institution, non pas établie par les hommes. Ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la société, mais c'est Dieu qui a établi le mariage. Et Dieu a des principes. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la famille? Amen. Un homme, une femme, une famille. Le but de ce message, c'est de parler aux hommes. C'est de parler aux femmes qui sont mariées, célibataires. C'est de parler aux fiancés, c'est de parler aux enfants. C'est de nous parler. Amen. Pourquoi nous parler? Parce que Dieu pense famille. Dieu voit la famille. Dieu vise la famille. Le Dieu que nous prions est un Dieu de la famille. Amen. Dis avec moi, Dieu de la famille. Dieu vise famille, Dieu pense famille, Dieu s'implique dans la famille, Dieu aime la famille. Dans la pensée, dans la vision de Dieu, Dieu voit famille. Amen. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que dans la Bible, Dieu se présente comme le Père. Alléluia. Dieu se présente comme le Père. Pourquoi Dieu se présente comme le Père? Il ne se limite pas à se présenter à nous comme Dieu seulement. Mais il quitte quelque part la posture de Dieu. Il se révèle à nous dans une autre facette, c'est-à-dire le Père. Pourquoi le Père? Parce que Dieu, justement, pense famille. Alléluia. Et je vais vous donner deux passages dans Jérémie 31, le verset 9. Dans Jérémie 31, le verset 9. Le Seigneur dit, ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où il ne chancelle pas. Car je suis un père pour Israël. Car je suis, Dieu dit, car je suis un père pour Israël. Amen. Et c'est comme ça, quand vous regardez dans l'ancienne alliance, Dieu se présente par rapport à Israël comme un père. Et Israël et le peuple de Dieu, mais ce sont aussi des enfants de Dieu. Et Dieu se présente tel un père, le père de cette nation-là. Amen. Mais Dieu ne se limite pas seulement à être le père d'Israël, mais dans Romains chapitre 8, à partir du verset 14 au verset 16,
Nous ne sommes pas Israël physique. Nous qui sommes des nations, n'est-ce pas, étrangères, Dieu ne nous a pas oubliés non plus. Il ne nous a pas exclus. Donc la Bible dit ici que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on dit quoi? On dit que donc quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Abba Père ». C'est le Saint-Esprit en nous qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu parce qu'on a embrassé la foi. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes nés de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Donc il est le Père d'Israël, il est aussi le Père des nations. Il est le Père de tout celui qui a le Fils en lui. Et Dieu est notre Père. Dieu est mon Père. Amen. Et je vais vous donner un autre verset tout à l'heure. Mais Dieu ne se présente pas seulement comme le Père. Mais vous regardez la Bible, il se présente aussi comme le Fils. Amen. Comme le Fils. Vous voyez, le Père, le Fils. Des éléments de la famille. Jean 3, 16 que vous connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et 1 Jean 3, 8, la deuxième partie du verset, la Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu. Donc il se présente aussi comme le Fils. Et Dieu ne se limite pas seulement à se présenter comme un Père, comme le Fils, mais Dieu va encore plus loin. Il se présente comme l'Époux. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de comprendre. Il se présente encore comme l'Époux. Vous imaginez Dieu qui va rentrer dans la posture de l'Époux. Donc, ça devient compliqué. Parce qu'en même temps, nous sommes ses enfants. En même temps, nous sommes son peuple. Mais quelque part, nous sommes son épouse. Mais c'est pour mieux nous enseigner. C'est pour nous faire comprendre qu'il est le Dieu de la famille. Qu'il se présente aussi comme étant l'époux. Alors, dans Matthieu chapitre 25, vous avez la parabole de l'époux et de l'épouse. Et l'époux, bien évidemment, c'est Dieu, c'est Christ. Et l'épouse, c'est l'Église, les chrétiens qui se préparent à son retour. Amen. Donc vous avez cette parabole dans Matthieu 25 qui parle de Christ comme étant l'époux. Amen. Et dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, l'apôtre Paul va dire que je vous ai fiancé. Il parle à l'Église, il parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Il dit je vous ai fiancé à un seul époux. Fiancé à un seul époux. Donc les personnes à qui il a prêché l'évangile, à qui il a amené dans le royaume de Dieu, il dit en fait que je vous ai fiancé. Le fait d'avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous rentrez dans une relation où vous êtes épouse et lui est votre époux. Vous voyez, et ce sont des éléments de la famille, le père, le fils et la femme, l'épouse. Vous voyez, des éléments qui parlent de la famille. Parce que Dieu aime la famille, Dieu pense à la famille, Dieu voit la famille, Dieu a une vision pour la famille. Et dans le psaume 68, le verset 6 à 7. Le psaume 68, le verset 6 à 7. Écoutez, Dieu va encore plus loin. Dieu insiste et nous fait comprendre combien il aime la famille. Il dit, le père des orphelins. Donc Dieu pense à celui-là qui a eu à perdre un père,
qui a eu à perdre une mère sur le plan biologique, Dieu ne laisse pas cette personne là seule. Dieu sait que cette personne a besoin de quelqu'un qui sera un père pour lui. C'est pourquoi celui-là qui se retrouve orphelin, Dieu ne le laisse pas, parce qu'il sait qu'il a besoin de la famille. Et Dieu vient tel un père pour cette personne-là. Alléluia. De sorte que tu ne sois pas seul, Dieu vient et il remplit ce rôle. Ce que ton père pouvait représenter, ce que ton père pouvait être, Dieu le sera pour toi. Là où tu avais besoin, tu pouvais te présenter devant ton père et il pourvoya tes besoins. Si ton père n'est plus, désormais Dieu sera ton pourvoyeur. Tu pourras te présenter devant lui pour dire tu es le père des orphelins. Seigneur, je n'ai personne, je n'ai que toi. Et Dieu va prendre soin de toi. Parce que Dieu sait que nous avons besoin de la famille. Donc il n'est pas seulement le père des orphelins. Mais Dieu pense aussi à cette femme qui a perdu son mari, qui se retrouve veuve. Et il devient le défenseur. Tout comme le mari défend sa femme, tout comme le mari est prêt à soutenir, à être aux côtés, à encourager sa femme, ben Dieu devient le défenseur de la femme qui est veuve. Alléluia. Dieu devient son défenseur, il devient son associé, il devient un appui pour cette femme, pour qu'elle ne soit pas seule, qu'elle puisse trouver une force auprès de Dieu. Ce que son mari pouvait apporter, pouvait représenter pour elle, Dieu va représenter cela vis-à-vis de cette femme, de sorte qu'elle ne se sente pas seule. Elle sait que j'ai un mari, j'ai un époux, j'ai un homme formidable dans ma vie. Et il fait, n'est-ce pas, la joie de mon cœur. Et Dieu ne te laissera pas, il sera à côté de toi, il sera près de toi. Amen. Et le verset poursuit en disant, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et le verset 7, j'aime ce verset. La Bible dit, Dieu donne une famille. C'est Dieu qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Tu étais délaissé, rejeté, mis en quarantaine. Ah ben Dieu ne te veut pas abandonner, Dieu ne te veut pas seul. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne une famille. Alléluia. Ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés, Dieu s'arrange pour donner une famille à ces personnes-là. Vous avez des gens qui ont mal commencé dans la vie. Vous avez des gens qu'on a accouchés et qu'on allait jeter dans une poubelle. Des enfants qu'on n'a pas désirés. Des enfants qu'on a abandonnés, accusés à tort ou à travers. Des enfants en qui on a trouvé une sorcellerie, parfois même imaginaire, tout simplement parce qu'on veut repousser, rejeter cet enfant. Et des enfants qui ont grandi seuls, livrés à eux-mêmes, qui auraient pu ne pas arriver là où ils sont arrivés, mais par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Il y a des mères, il y a des hommes, il y a des foyers qui se constituent. Et quand vous écoutez le parcours, l'histoire de cet homme, de cette femme, vous verrez qu'ils n'ont peut-être pas eu des gens autour d'eux. Mais Dieu a été fidèle. Dieu les a aidés, Dieu les a soutenus. Et jusqu'à leur donner un foyer, une maison stable. Parce que Dieu donne la famille. Amen. Tu es abandonné, tu es rejeté. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu te soutient. Dans tes galères, dans tes combats, dans tes difficultés, le Seigneur a un regard pour toi. Et Dieu a une famille pour toi. Une famille que tu n'as pas eue. Dieu a une famille que tu n'as pas eue. Dieu a des personnes qu'il est en train de préparer avec lesquelles tu dois te retrouver pour vivre le bonheur d'être en famille. Et vous savez ce que Dieu fait encore? Non seulement il donne une famille, cette famille-là, bien-aimée, quand tu reçois Christ, Dieu te donne une famille qui est spirituelle. Tu as été rejeté, ta famille t'a abandonné,
Les hommes t'ont mis, n'est-ce pas, à l'écart. Mais quand tu reçois Jésus, Dieu a des frères pour toi. Dieu a des sœurs pour toi. Dieu a des pères pour toi. Dieu a des mères pour toi. Il y a des gens que Dieu va disposer leur cœur pour être comme une mère pour toi. Oh, est-ce que je peux parler? Tu n'as pas eu de mère, mais Dieu mettra des personnes qui auront à cœur ta personne et qui vont être comme une mère pour toi. Des personnes qui pourront te conseiller, qui pourront t'orienter, qui pourront prier pour toi, qui pourront te soutenir. Des gens que tu as rencontrés par le moyen de la foi. Et je peux vous assurer que parfois, les frères dans le Seigneur sont plus présents que les frères dans la chair. Le soutien des frères en Christ, parfois, est plus présent que le soutien de ta propre famille. Parfois, tu as même des relations plus avancées avec des frères dans le Seigneur qu'avec des propres frères dans la chair. Tu as une amitié, tu as une confiance en une sœur que tu as rencontrée en Jésus, plus que la propre sœur de sang avec laquelle tu as grandi. Parce que Dieu est un Dieu de la famille. Et Dieu s'arrange pour que même sur le plan de la foi, qu'on puisse trouver des personnes qui seront une famille pour nous. Pour que nous ne soyons pas seuls. Qu'on ne soit pas seuls, qu'on puisse trouver un réconfort. Parce que tout un chacun d'entre nous, à un moment donné, on a besoin d'être réconforté. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de sentir qu'on n'est pas seul. Amen. Et Dieu s'arrange pour donner la famille à ceux qui sont abandonnés. Amen. Et dans Éphésiens 3, Éphésiens 3, le verset 14 à 15. J'ai parlé d'Israël, Dieu est le Père d'Israël. J'ai parlé de l'Église, il est le Père des croyants. Mais la Bible ici va aller encore plus loin. Dans Éphésiens 3, le verset 14 à 15, la Bible dit, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. » Alléluia. Toute famille. Israël, les croyants et même les non-croyants, même les non-chrétiens, la Bible dit, toute famille tire son nom de Dieu. Toute famille tire son origine de Dieu. Toute famille tire son départ, son existence de Dieu. Donc Dieu est le Père de toute créature. Il est le Père de toutes les familles du monde. Amen. C'est pourquoi Dieu, parfois, il peut être bon envers quelqu'un qui vit dans le péché. Tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des gens qui prient, mais qui n'arrivent pas à enfanter. Mais il y a des gens qui ne prient pas. Les grossesses, ça vient même, ils cherchent même à stopper cela. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils arrivent à voir des choses facilement. Mais toi, tu pries, il faut rentrer dans des combats spirituels, briser des liens, des choses, alors que eux, malgré qu'ils soient dans le monde, mais ils arrivent à avancer facilement. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il est bon envers certaines personnes, parce qu'il est, le Père de toutes les familles du monde. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Un père, même s'il a un enfant qui est délinquant, ça reste son enfant. Même si l'enfant est voyou, même si l'enfant est comme pas possible, cet enfant va troubler le cœur du père, cet enfant va le déranger. Mais au fond, ça reste quand même son père. Donc quand cet enfant se présente comme les autres enfants, le père pourra quand même être bon envers cet enfant. Vous comprenez? Parce que quelque part, c'est quand même son sang. C'est pourquoi, bien-aimé, même les païens que vous voyez païens, le cœur de Dieu bat quand même pour ces personnes-là. Parce que c'est lui qui les a créés.
Parce qu'ils sortent de Dieu, ils viennent de Dieu, ils existent par Dieu et Dieu voudrait qu'ils puissent se tourner vers lui. Voilà pourquoi nous devons avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour ne pas condamner facilement, pour ne pas juger facilement celui-là qui est dans la prostitution, celui-là qui est dans la drogue, celui-là qui vit dans le péché. Il faut toujours se dire que Dieu pense à ces personnes. Ce couple qui vit dans le péché, Dieu pense à eux. Dieu voudrait qu'ils puissent parvenir à l'éclairage, à la lumière et qu'ils mettent leur vie en règle. Dieu pense à tout homme. Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. Donc, il est le père de toutes les familles de la terre, toutes les familles qui puissent exister. Tire leur nom ou leur origine ou leur départ, leur existence de Dieu. Donc, comme pour dire qu'il n'y a pas de famille sans Dieu. Il n'y a pas de famille sans Dieu. Pour qu'il y ait famille, il a fallu que Dieu puisse exister et qu'il puisse être la base, qu'il puisse être l'origine de la famille. C'est Dieu qui a donné existence à la famille. C'est pourquoi il se présente aux hommes dans les différents aspects que j'ai énumérés. Pour nous montrer l'image de la famille. Pour nous présenter la vision de la famille. Et puisque nous parlons de l'origine, puisque nous parlons, n'est-ce pas, de la source de la famille, on ne peut qu'aller dans Genèse. Puisque c'est là même la source, c'est là même le commencement, c'est là où tout a débuté. Dans Genèse. Parce que la Bible dit que les familles, toutes les familles tirent leur origine en Dieu. Et nous allons dans Genèse pour voir justement au commencement. Et ici, on nous enseigne qu'au commencement, Dieu a créé, n'est-ce pas, le ciel et la terre. Je vous épargne des détails parce que c'est très long. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a eu un premier jour, il y a eu un deuxième jour, il y a eu un troisième jour, quatrième, cinquième jour. Et Dieu a créé plusieurs choses pendant ces jours-là. Et le Seigneur était content, Dieu était heureux, Dieu trouvait que c'était bien ce qu'il avait créé, ce qu'il avait fait. Mais quand Dieu créait toutes choses, c'était pour un but. Dieu savait que ce n'était pas fini. Et il y a eu un sixième jour. Et c'est là, en fait, que Dieu va se décider de créer l'homme. Le sixième jour, il crée l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il lui donne l'autorité, le pouvoir sur toute sa création. Il le laisse le pouvoir, la responsabilité de nommer même les animaux. Et on sait tous que quand une femme accouche, on ne demande pas à son voisin de donner le nom à l'enfant. Tu peux être tantine, je ne sais pas qui, mais ce n'est pas à toi qu'on va donner la responsabilité de donner le nom à l'enfant. On demande au père et à la mère. On demande au père et à la mère de donner le nom à l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est une marque d'autorité. C'est une marque d'appartenance. Tu donnes le nom à l'enfant qui t'appartient. Et il porte le nom que tu lui as donné. Donc c'est une marque d'autorité sur cet enfant-là. Et une marque de possession. C'est ton enfant, ce n'est pas celui du voisin. C'est ton enfant et tu l'appelles comme tu veux. Et Dieu donne la responsabilité à l'homme de donner des noms. Donc quelque part, de manifester son autorité sur la création de Dieu. C'est pourquoi le lion pouvait être là et fléchir devant l'homme. C'est pourquoi les animaux se soumettaient à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a placé l'homme dans une position d'autorité par rapport à la création. C'est pourquoi même les fruits, les arbres, Adam pouvait manger des fruits, des arbres du jardin. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné autorité sur toute la création. Amen. Dieu va créer l'homme. Et Dieu va trouver que c'était très bon.
Dieu va trouver que là, c'était plus bon, c'était plus merveilleux que tout ce qu'il venait de créer au préalable. Quand il a créé l'homme, Dieu s'est dit, waouh, là, c'est là en fait où je voulais arriver au final, à créer l'homme, pour lui donner la responsabilité de cultiver le jardin, la responsabilité de gérer toute cette création-là. Amen. Et encore, quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne voyait pas seulement l'homme. Derrière l'homme, Dieu voyait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu voyait à côté de l'homme une aide semblable. Dieu voyait une femme qui devait être à côté de cet homme pour l'accompagner dans sa mission. Mais Dieu ne voyait pas seulement l'homme, il ne voyait pas seulement la femme, mais derrière eux, Dieu voyait aussi une descendance. Dieu voyait aussi des enfants pour que ça ne soit plus seulement un couple, mais que ça devienne une famille. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. C'est pourquoi, quand l'homme est seul, Dieu dit, ce n'est pas encore ça. Dieu trouve qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et Dieu ne demande pas l'avis d'Adam. Dieu ne demande pas qu'est-ce qu'il en pense. Mais Dieu impose Ève à Adam. Pourquoi? Parce que dans la vision de Dieu, un homme ne doit pas être seul. Dans la vision de Dieu, les femmes seules n'existent pas. Dans la pensée de Dieu, un homme en autarcie n'existe pas. Dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas vivre de manière solitaire. Dieu a fait les choses de sorte que tu aies besoin des uns et des autres. Que tu dépendes des uns et des autres. Même Jésus qui avait l'onction jusqu'aux dents, il n'a pas fait le ministère seul. Il a eu besoin d'appeler Pierre, d'appeler Jacques, d'appeler Jean, d'appeler des disciples pour travailler avec lui. Même Jésus, il n'avait pas besoin des hommes, mais il n'a pas travaillé seul, que moi je suis tellement saint, que moi j'ai tellement l'onction, que non, 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 vous là, non, non, non. Non, il a pris avec lui des pécheurs, il a pris avec lui des hommes ordinaires. Et il va les emmener à la transformation. Il va les révolutionner, il va les changer, il va faire un travail en eux, de sorte que de pêcheurs de poissons, un prédicateur puissant pouvait sortir et se tenir et prêcher une prédication, 3000 conversions. Jésus s'est entouré des hommes, il s'est entouré des femmes, il s'est entouré des enfants. Vous voyez, quand les enfants sont venus à Jésus, les disciples ont dit, non, les enfants, ce n'est pas pour vous. Jésus, c'est pour les grands. Jésus a dit quoi? Laissez venir les petits-enfants. Il a dit, les hommes, oui, les femmes, oui. Mais même les enfants, laissez venir les petits-enfants. Il dit, car le royaume est pour eux. Donc Dieu pense à la famille. Dieu n'exclut personne. Dieu donne, accorde la valeur à chaque personne. Il est le Dieu de la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va endormir Adam. Il endort Adam et une opération va se faire pour que de sa côte, une Ève puisse sortir. Et quand Ève est là, ce n'est pas parce qu'elle a voulu. Ce n'est pas parce qu'elle a décidé. C'est parce que dans le plan de Dieu, c'était ainsi. Donc je veux dire à une femme que tu n'es pas là par hasard, mais tu existes parce que Dieu avait vu que l'homme ne pouvait pas avancer seul. Que l'homme seul, les choses ne marchent pas. L'homme a besoin de la femme. L'homme a besoin de la présence de la femme. Amen. Vous savez que si un homme, il dit, on n'a pas besoin de femme, je suis le chef, je suis grand, je suis fort. Et il se met, n'est-ce pas,
seul. Il décide d'être seul. Mais vous savez que cette personne-là, il va mourir et tout va s'arrêter. Alléluia. Il va mourir et tout va s'arrêter. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait continuité, pour qu'il y ait la vie, il faut une femme. Sans la femme, il n'y a pas la vie. Sans la femme, il n'y a pas d'enfant. Et un homme seul qui se dit, je n'ai pas besoin de femme. Déjà, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu n'as pas besoin de femme. En fait, il faudrait déjà que tu ne sortes pas de ta maman. Parce que sans ta maman, tu n'existes même pas. Donc, il aurait fallu que tu sortes d'un arbre. Que tu sortes de je ne sais pas où. Là, tu n'aurais pas eu besoin de femme. Mais du fait déjà que tu étais un petit fœtus porté dans le ventre d'une femme qui a supporté des masques de grossesse, qui a supporté que la démarche puisse changer, qui a supporté pendant 9 mois et peut-être même une césarienne pour que tu sortes de là. Elle a supporté de se réveiller la nuit malgré elle, de changer les nausées, supporter de te changer des couches compliquées. Et un beau jour, tu te lèves et tu dis, j'ai pas besoin de femme. Mais si tu existes, c'est parce que la femme existe. Donc, l'homme a besoin de la femme. La femme a une valeur, la femme a une importance. Sinon, Dieu n'aurait pas créé la femme. L'homme, aussi fort que tu puisses être, mais Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Et Dieu a trouvé que nous avons une telle responsabilité que nous devons être aidés. On doit être épaulés pour bien réussir notre mission, pour bien accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Aussi, je veux dire, une aide, c'est quoi une aide? Une aide, c'est que je suis appelé à faire quelque chose et tu es là pour accompagner. Tu es là pour soutenir. Amen. Amen. Parce que jour d'aujourd'hui, les femmes ne veulent plus être des aides, elles veulent être des chefs. Des chefs qui dominent, des chefs qui dirigent, des chefs qui commandent. Tu as été créé pour être une aide. Amen ou pas amen? Voyez, il faut que les choses soient comprises pour que chacun soit à sa place, pour que tout puisse fonctionner. Et au jour d'aujourd'hui, justement, il y a des vents qui soufflent ici et là où on ne veut plus l'ordre de Dieu, où on veut tout renverser, on veut se lever et puis annoncer des choses qui amènent un déséquilibre par rapport à la pensée de Dieu au niveau de la famille. L'homme doit être à sa place, la femme doit être à sa place. L'homme doit comprendre quel est son rôle, quelle est sa mission. Dans quel but est-ce que Dieu l'a créé? Et si chacun comprend cela, les enfants comprennent quel est leur rôle, quelle est la pensée de Dieu. Si les parents comprennent quelle est leur responsabilité vis-à-vis des enfants que Dieu leur a confiés, bien-aimés, on aura des familles soudées, des familles solides, des familles unies, des familles où il y a l'amour. Il y a l'amour, c'est-à-dire même si dehors, je ne ressens pas l'amour des gens, bien-aimé, je suis tellement nourri dans ma propre famille que cela peut me permettre d'avancer. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu pense, la famille. La famille est ce cadre-là dans lequel tu dois te sentir fort. Si dans ta propre famille, tu ne te sens pas en sécurité, dans ta propre famille, tu n'es pas en paix, tu vas trouver la paix ailleurs? Tu vas trouver la paix à l'extérieur? Si dans ta propre famille, tu ne reçois pas l'amour, tu ne ressens pas l'amour, tu vas aller chercher ça où? Dans les bras des garçons? Tu vas aller chercher ça où? Dans des boîtes de nuit? Vous voyez, c'est déjà dans la famille.
C'est dans ce cadre-là qu'il y a l'amour qui doit se transmettre. Les parents, l'homme doit aimer sa femme. La femme doit aimer son mari. Le couple doit aimer leurs enfants et les enfants doivent aimer leurs parents et les enfants doivent s'aimer entre eux. C'est dans la famille que l'entraide, le soutien, l'encouragement, c'est d'abord là que tout commence. Et vous verrez des enfants qui sont pleins d'assurance. Des enfants, ils ont l'assurance. Pourquoi? Parce que on les estime tellement, on les valorise tellement dans leur famille qu'elles savent qu'elles sont belles. Elles n'ont pas besoin de toi pour leur dire qu'elle est belle. Elle sait qu'elle est belle. Parce que quand on se réveille, tu es belle, ma chérie. Quand elle marche, oh, quelle princesse. En fait, dans la famille, elle est tellement nourrie d'amour, de paroles d'encouragement que ça l'aide à se développer. L'enfant prend l'assurance. Tu es tellement intelligent, tu es quelqu'un, voilà, tu vas réussir. Toutes ces choses-là, dans la famille, ça construit quelqu'un. Et ça fait que l'enfant peut avoir 17 ans, mais il a une assurance. Il peut se présenter à un entretien, il a une telle posture qu'on dirait quelqu'un de plus âgé. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un cadre où on l'a fait comprendre que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu as une tête comme ceux qui ont réussi, tu as deux bras comme ceux qui réussissent. Et il se nourrit de ça et il affronte les choses de la vie. Mais vous savez, des enfants qui ont 17 ans, mais il faut encore que maman soit là. Il faut encore que papa soit là. Il faut qu'on les pousse à faire des choses. Il faut qu'on soit derrière eux. Quand vous vérifiez ce manque d'assurance-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette force-là. Ils n'ont pas eu ce soutien, cet encouragement qu'ils devraient avoir dans la famille. Il y a eu quelque part carence, il y a eu manquement. Un homme qui est respecté, considéré dans sa famille, c'est un homme qui va arriver au travail avec plein d'assurance. Il est là, tout va bien, parce qu'il sait que derrière lui, il y a une femme qui est derrière lui. Chérie, tu es le meilleur. Est-ce qu'il y a des femmes? Les autres hommes là avancent, les autres hommes font ça, mais toi qu'est-ce que tu fais? Si j'avais su là, Jean-Pierre qui me propose, si j'avais su, Jean-Pierre me proposait, quelle erreur, j'ai fait une grosse erreur dans ma vie de t'avoir épousé. Là cet homme là est en train de penser, toi continue à parler, le jour où je touche un bon poste là, on va voir comment tu vas continuer à parler encore. Même s'il n'a rien, tu es une aide. Tu es une aide. Tu es là pour lui donner les vitamines dont il a besoin. Même s'il n'y a pas le travail, sois un coach pour cet homme. Dis-lui que t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Ça va marcher, ça va aller. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres, pour assister à la réussite des autres. Tu es là pour avancer. Tu as deux pieds. Ça va aller. Et là, vous voyez que l'homme, même si le chômage, il a l'assurance, il sait que ça va aller. Mais un homme qui est diminué, vous le ressentez. Vous le voyez. Une femme qui est écrasée, une femme qui n'a pas le soutien, l'amour de son mari. Elle peut se retrouver au travail. Elle arrive de bon matin. Un collègue sera le premier à lui dire « Oh, qu'est-ce que tu rayonnes, tu es tel le soleil qui se lève de beau matin. » La femme là où elle est, il a marqué un point, même si tu as parlé en langue là, même si tu dis sans effet, mais il peut avoir des effets quelque part. Parce que tu t'es levé. L'homme qui était avec toi, qui t'a vu, il ne t'a rien dit. Mais il faut qu'un collègue au travail qui puisse te faire remarquer que tu es un soleil qui brille comme au zénith.
Mais le mari là, avec qui tu as dormi, lui, il se réveille. Tu vas où? Et là, là, une première fois, le lendemain vient au travail, le collègue encore, il sort encore autre chose. Là, que tu veuilles ou non, il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut se faire. Parce que dans le fond, la femme a besoin d'être encouragée. La femme a besoin d'être soutenue. Elle a besoin de se sentir valorisée. Un homme peut dire que je peux décrocher la lune pour toi. La femme peut croire. C'est un homme décrocher la lune. Dis pour toi, je peux tout faire, je peux décrocher même la lune, je peux faire descendre le soleil juste au-dessus de ta tête. Waouh! La femme, elle croit. C'est pour ça que le serpent est venu, il a parlé à la femme. Et c'est comme ça que le serpent a eu la femme. Il lui a parlé. Et la femme a cru au serpent, elle a cru aux paroles du serpent. C'est pour ça, avant qu'une autre personne parle à ta femme, toi-même tu dois parler à ta femme. Tu dois lui dire qu'elle est la plus belle. Chérie, tu es la plus belle. Toi-même tu dois commencer à le faire. Vous savez pourquoi? C'est un vaccin que tu es en train de lui donner. Donc, quand quelqu'un peut lui dire que tu es belle, en fait, ça sonnera faux. Parce qu'elle connaît le vrai son. C'est quand ça vient de l'homme de sa vie. Mais si elle n'entend pas ça de toi, elle entend ailleurs, il y a un problème. Il y a un problème. Avant qu'une autre personne l'encourage, sois le premier à l'encourager. Sois le premier à l'encourager, le premier à croire en elle, le premier à s'investir dans les choses qui la concernent, à l'accompagner, la soutenir dans ce qu'elle fait. Quand c'est bien, bien évidemment. Quand c'est pas bien, on corrige, on recadre et puis on aide. Et là, ainsi, vous aurez des hommes qui seront des hommes. Et qui savent que derrière eux, ils ne sont pas seuls, il y a quelqu'un. Même si tout le monde ne croit pas, mais il y a au moins des personnes qui croient. Et ainsi, bien-aimés, on sera vaccinés. Vaccinés contre les serpents. Vaccinés contre les serpents, parce qu'il faut le savoir. Il y a des gens qui tombent, non pas parce qu'ils ont voulu tomber. Il y a des gens qui commettent l'adultère, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme. Parce qu'il y a des choses qui sont là pour combattre le mariage. Le diable travaille pour détruire les familles, détruire les mariages, détruire des relations. Le diable travaille pour cela. Je vais terminer, pas plus tard qu'hier. J'ai croisé une femme de par mon travail et la femme avait besoin de parler. Elle avait besoin de parler. Elle a commencé à parler pour dire qu'elle a passé une sale fin d'année. Ils ont pris des vacances avec son mari et les enfants pour aller quelque part passer les fêtes en famille. Elle remarque que l'homme est bizarre. Elle remarque qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle creuse, elle creuse, elle creuse. Et l'homme finit par lui avouer qu'il y a 2 jours, il a croisé une femme. Et ça a été un coup de foudre. Coup de foudre. Et il décide donc de se séparer de cette femme et des enfants pour aller commencer sa vie avec la fille qu'il a rencontrée il y a 2 jours. Et son cœur est parti. Son cœur est parti. Il est prêt à abandonner femme et enfant, foyer, pour suivre une femme qu'il vient de rencontrer il y a 2 jours. C'est terrible.
Et le nombre de femmes qui se retrouvent seules avec les enfants. Le nombre de femmes qui, à beau jour, l'homme prend ses affaires sans rien dire et quitte le foyer. Le nombre de femmes qui surprennent le mari avec, je ne sais pas, des messages de conversation bizarres avec des gens bizarres. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Des gens qui nous appellent, des gens qui demandent la prière, des gens qui demandent des conseils, des gens qui exposent leur situation pour les aider. Vous avez beaucoup de femmes qui souffrent, beaucoup de foyers qui souffrent, beaucoup de familles qui souffrent. Voilà pourquoi Dieu m'a demandé de parler de ces choses, de parler aux hommes, parler aux femmes, de parler à la famille. Amen. Et comme je l'ai dit ce soir, ce n'était qu'une introduction. Et je crois que dans les jours prochains, Dieu permettra à ce qu'on puisse aller peut-être plus en profondeur et toucher quelques aspects comme ça. Mais ce soir, comprenez qu'un homme, Dieu ne se limite pas seulement à voir un homme. Quand il y a un homme, Dieu voit une femme, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une femme. Et derrière la femme, Dieu voit des enfants, Dieu voit une famille. Ainsi, vous êtes des acteurs pour que le plan de Dieu puisse se dérouler. Parce que Dieu passe par des hommes. Dieu passe par des hommes. Et Dieu peut se servir de moi aujourd'hui. Mais si je ne suis plus, Dieu se chargera de se servir de mes enfants. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, mais il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il est aussi le Dieu d'Isaac. Et quand Isaac n'est plus, il descend jusqu'à Jacob. Donc Dieu est un Dieu générationnel. Il sait que si je ne suis pas là, mais dans cette famille, Dieu compte sur moi pour que des serviteurs de Dieu se lèvent et continuent à avancer. Dieu compte sur moi pour que des adorateurs de Dieu, pour que des personnes qui vont poursuivre le travail qui a commencé depuis et depuis et depuis. Et là, nous avons le flambeau. Nous sommes en train de faire notre travail, d'accomplir notre mission parce que c'est notre temps. Mais après nous devons préparer une génération. On doit préparer des hommes et des femmes. On doit préparer des personnes qui continueront à faire le travail de Dieu. C'est pourquoi Dieu pense à la famille. Parce qu'un seul homme, tout s'arrêterait avec cet homme. Il faut que la femme, il faut que les enfants. Et les enfants auront aussi des enfants. Ils auront aussi femme et mari auront aussi des enfants. Ainsi, le plan de Dieu ne sera pas court-circuité. Et Dieu pourra être Dieu de génération en génération. Que Dieu nous bénisse.